Eh bien salut à tous, c'est Elmutachos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de cette carrière Moto 3 sur le jeu MotoGP 2018. Et aujourd'hui on se retrouve après un Grand Prix quasiment catastrophique, on peut vraiment le dire. Ça a vraiment été un Grand Prix très très dur. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est la dernière vidéo qui est dans la playlist. Ça a été vraiment un Grand Prix compliqué où on a fait une très très mauvaise qualification. Et là j'espère vraiment me rattraper aujourd'hui. Aaron Canet, donc c'est déjà un bon temps de départ, départ lancé. J'espère vraiment me relancer au championnat aujourd'hui puisqu'on est à 26 points du leader alors qu'on était à seulement 10 points dans la dernière vidéo. Enfin l'avant-dernière qu'on était à Austin. Donc c'est vraiment dommage, il est là. Et mon pilote qui part en drift dans le pilotage automatique, il est assez chaud. Bon, on va partir. Il faut vraiment faire une très très grosse performance. Et j'espère vraiment qu'on va aller chercher cette victoire ici au Mans en France. Ce serait une belle victoire quand même. Mais là, il faut impérativement reprendre beaucoup de points à Rory Martin et à Aaron Canet qui sont devant nous. Parce qu'on est troisième au championnat, c'est pas trop mal. Mais clairement, on veut le titre, nous, même si on a une moto beaucoup moins performante. J'ai que ça va trop tôt. Beaucoup moins performante que les deux devant qui sont au championnat. Mais il faut le faire, tout simplement. L'arrière et le manque une piste qui use pas mal quand même le pneu arrière. Donc si je n'oublie pas, faut vraiment pas que j'oublie, il faut que je mette un petit pneu médium avant la course. Hop. Allez, on a quasiment 5 dixièmes, donc ça c'est vraiment pas mal. Allez, on finit le tour et on voit combien on a fait. Oh, c'est très très bien, 1 seconde 7. On a gagné énormément de temps dans le dernier secteur, 1 seconde 7, alors qu'on avait 5 petits dixièmes d'avance sur Aaron Canet, donc c'est énorme. Oh là là, bon là, on a certainement signé la pole, ça, il n'y a quasiment pas de doute dessus. Voilà, on a la pole, on a vraiment beaucoup d'avance quand même. Je regarde, on a... 1 seconde 2 d'avance sur Rory Martin, donc ça c'est très très bien. Maintenant faut vraiment aller chercher la victoire, là il n'y a pas de discussion possible, on va pas se bagarrer. Notre stratégie de course là pour l'instant, c'est on part devant, on prend le départ, on va essayer de prendre le meilleur départ possible, même si notre machine a énormément de mal pour les départs. C'est assez compliqué malheureusement. Donc on va pas pouvoir prendre à mon avis le all shot, ça va être très très compliqué. On va faire ce qu'on peut, on va essayer de prendre le meilleur départ possible, on va essayer de dépasser les personnes, les pilotes le plus rapidement possible et partir devant. Là vraiment ce Grand Prix, c'est vraiment un Grand Prix je veux dire clé pour la suite de notre carrière, parce qu'il faut vraiment aller chercher cette victoire, vraiment notre première victoire de la carrière, ça serait déjà un très beau point. Il faudrait reprendre des points à Rory Martin et à Aaron Canet, donc la seule solution possible c'est de finir devant eux. Et à mon avis, il va falloir finir premier si on veut reprendre des points sur les deux pilotes. Voili voilou. Bon, les chargements, là je suis remonté à bloc, là je veux vraiment aller chercher cette victoire, là faut vraiment aller chercher. Ce serait vraiment un très très beau résultat de notre part. Mais en attendant, faut que les chargements se finissent. Bon, en Red Bull Rookies Cup, on avait quand même été chercher les victoires assez rapidement. Là, on a du mal, on a vraiment du mal à les chercher. Mais je pense que dès que la première sera arrivée, on va les enchaîner. En tout cas, on va essayer. Et voilà, allez. Et on a oublié de mettre le pneu médium. Ah là là, on a oublié, on a passé trop rapidement, malheureusement. C'est parti.
Allez, on a pris un pas trop mauvais envol, donc ça c'est un point assez positif. On a même pris le meilleur envol du plateau, mais là ils sont à l'intérieur, donc on va certainement prendre un petit peu l'avantage sur moi. Allez, on résiste ici à l'intérieur, on freine un petit peu tard, mais c'est pas grave, on garde cette première position. Donc ça c'est très très bien, on a gardé la première position, maintenant on va essayer de faire le forcing déjà pour aller s'échapper. Bon, on a vu que le deuxième secteur, c'est ici qu'on perdait le plus de temps. Allez, on va un petit peu forcer sur les pneus en ce début de course. Et si on arrive à faire l'écart, ce sera tout bénef. Oh, on a fait une petite erreur. Très très grosse erreur même. Oh, petit contact avec Roy Martin. On va essayer de rester ici. Oh, c'est chaud. On garde l'intérieur. Et Roy Martin qui essaie de nous faire à l'extérieur. Il y a eu un petit contact entre nous deux. C'était assez chaud. Bon allez, on a repris la tête. Ici, vraiment ici qu'on reprenait beaucoup de temps à l'IA. Regardez toute l'avance qu'on a prise sur deux virages. Donc ça, c'est vraiment très très bien notre part. Ouh, on a un petit peu trop tourné ici. Et regardez, on n'a pas pris tant de temps que ça à Roy Martin qui est juste derrière nous. Ça, c'est assez étonnant. Pourtant, pendant la qualification, on avait repris plus d'une seconde sur Aaron Canet, justement, ici. Et une demi-seconde d'avance. C'est vraiment à ce virage ici hein, qu'on a du mal. On n'arrive pas à le reprendre rapidement. Et c'est là qu'Aurore Martin reprend tout l'écart qu'il avait perdu sur nous-mêmes. Allez, on serre la ligne pour éviter que Rory Martin prenne notre aspiration. On est un petit peu large ici, malheureusement. On était un petit peu trop large ici à la sortie. On a mis une petite avance, toute petite, Roy Martin qui nous met la pression. On voit qu'Aaron Canet est quatrième. Donc ça, c'est pas trop mal. Ah, j'ai pas pu voir l'écart qu'on avait. Vraiment, Roy Martin, c'est le seul qui est capable de nous suivre pour l'instant. Aaron Canet qui a un peu plus de mal quand même à nous suivre. Il n'est même plus dans le top 3. Ouais, c'est ici, hein, on perd à chaque fois. On a encore perdu du temps ici, malheureusement. Allez, une seconde d'avance sur Roy Martin. Et là aussi, on perd du temps. Vraiment cet enchaînement là où on perd pas mal de temps. Et c'est surtout sur les deux prochains virages qui arrivent au freinage ici où on reprend pas mal de temps sur Roy et Martin. Allez, 1 seconde 3 d'avance.
Et voilà le pneu arrière qui commence à se faire sentir. L'usure en tout cas du pneu arrière commence à se faire sentir. On a 1:06, hein. On fait vraiment le forcing pour aller chercher. On a signé le meilleur tour de la course avec un pneu à moitié usé. Oh, là on a quasiment réussi à prendre à fond le premier virage. Donc ça c'est très très impressionnant. Alors qu'on a un pneu usé. On a mal pris. Et on était en troisième aussi. Là on perd pas mal de temps assez bêtement. Non, j'essaie vraiment des trajectoires différentes, mais impossible. Roy Martin revient à chaque fois ici. Il reprend l'avantage sur nous. Voilà, 1:01. Il nous a repris 5 dixièmes. Ah ouais, l'usure, c'est très très compliqué à gérer. Avec le pneu médium, on n'aurait pas eu ce problème. Roy Martin qui est en train de revenir sur nous. Malheureusement, on va vraiment se décaler pour pas qu'il puisse prendre notre aspiration. Neuf dixièmes, il revient, il fait ça à lui maintenant de faire le forcing pour revenir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. L'arrière qui glisse, hein. Ça va être un dernier tour. Je sais pas s'il va avoir de la bagarre, mais ça va être tendu en tout cas. Ouais, je tourne un petit peu trop ici malheureusement. Allez, Rory Martin, et il a 1:02. On peut garder cet écart et on va essayer en tout cas. On va essayer de garder l'écart avec Rory Martin. On a un petit peu mal pris, tant pis. L'avant aussi qui est un petit peu usé, mais là, c'est pas trop problématique pour l'instant. Allez, on tient notre première victoire en Grand Prix. On la tient. On n'est pas très très loin. Il va falloir résister à Rory Martin qui revient très très fort dans le dernier tour. 7 dixième, voilà. On rate un petit peu notre freinage. Si on commence à rater notre freinage, ça va pas aller. Et Rory Martin qui est juste derrière. Il est revenu sur cette portion. On est assez handicapé, espoir pour Alia. Maintenant, c'est les deux derniers secteurs qui sont à notre avantage. Va falloir rester concentré. Bien freiné. Et la victoire sera à nous. Et on tourne un petit peu trop. On perd un petit peu de temps. Et Martin qui a 8 dixièmes. Ça devra aller. Allez, il reste 3 virages. 3 virages pour notre première victoire en carrière. Et à mon avis, c'est fait. Rory Martin ne pourra pas nous dépasser ici. Et c'est fait, oui. Oui, c'est fait. Et voilà notre première carrière. Notre premier. Oh, je vais y arriver. Trop d'émotion. Notre première victoire en carrière. Enfin. Elle a mis du temps. Elle est arrivée. Et elle est arrivée au meilleur des moments. Parce qu'on reprend quand même pas mal de points sur Aaron Canet. Et on reprend 5 points sur Rory Martin. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Très, très grosse course de notre part. À la fin, c'était très, très chaud avec le pneu arrière. Si on avait pensé à mettre le médium, comme je l'avais dit en début de course, on n'aurait pas eu ce problème. En tout cas, on a été chercher la victoire. Et ça fait extrêmement plaisir. Et on remonte à la deuxième place. On n'est plus qu'à 21 points de Roy Martin. Et on a mis 9 points d'avance sur Aaron Canet. Donc ça fait extrêmement plaisir. Elle arrive au meilleur des moments, cette victoire. Vraiment, elle fait extrêmement plaisir. Donc ça fait... Ouh, on l'attendait. On a attendu 5 grands prix pour l'avoir. Mais elle est enfin arrivée. Et ça fait plaisir, elle est enfin arrivée au Grand Prix du Mans en France. Une piste où je pensais que c'était un petit peu plus compliqué. Et finalement, non, on a été très très rapide en qualification. Et on a réussi à aller chercher la victoire dans la course. Donc ça fait plaisir. Ouh, enfin elle est arrivée. On l'a cherché, hein, vraiment. On a eu quelques opportunités. On a fait un petit peu le con parfois. Par exemple aux États-Unis, on est resté concentré. On a vécu des moments assez difficiles comme au dernier Grand Prix.
Mais là, on n'a pas été abattu, on est resté concentré, on y a toujours cru et on a été chercher cette victoire. Ouh! Maintenant, on va aller améliorer notre petite moto, au développement de la moto. On va peut-être pouvoir faire deux améliorations. En tout cas, on va aller chercher le moteur, la puissance. Ah non. Est-ce qu'on va chercher la puissance directement 4600? Oui, on va améliorer la puissance parce que c'est vraiment ce qui nous manque et c'est la seule amélioration qu'on pourra faire. Et la prochaine fois, à mon avis, on va aller encore. La prochaine fois, on va aller améliorer les freins et après, on verra ce qu'on peut améliorer ensuite. Mais bon, enfin cette victoire, on l'attendait. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Ah, si elle vous a plu. Et si vous êtes content de ma première victoire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me féliciter en commentaire, ça fait également très plaisir pour moi. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ça peut m'aider à me faire connaître, mais le plus important pour moi, c'est que vous abonniez. Donc abonnez-vous, allez, bye bye, ma petite moustache.